existence. Ils s'obligent à la communauté de vie. Ils se doivent respect et affection. Je sais que la population a aimé les invités. Vous avez vu que on a du musée avec des sketchs pour nous montrer la différence de la religion et de l'histoire pour nous faire mieux. La fin d'année, on a aussi offrir un cadeau de fin d'année aux populations et dans le cadre des activités de 8 mars de l'organisme. Donc, autant que faire se trouve si la population peut en tout cas prendre ce que nous aussi on fait en compte et venir organiser l'association, ça protège non seulement la famille, mais ça donne aussi de l'épanouissement, surtout à la femme, en tout cas les autres personnes. Notre objectif, c'est que d'ici la fin de notre mandat, on enregistre plus. Un acte de mariage, un jugement subjectif d'acte de mariage, un jugement subjectif d'acte de naissance, un jugement subjectif d'acte de décès. Donc, on est l'état civil sans aussi aller les actes de décès. Donc, nous leur demandons de venir. Créer ce cadre, c'est comme je l'ai dit. Les gens pensent que venir à la mairie, c'est l'acte de mariage. Ça demande beaucoup d'argent, ça demande beaucoup de moyens. Non, c'est simple. C'est pour cela que nous offrons aussi cette opportunité à ceux qui hésitent à venir. Et on le fait depuis que nous sommes là, d'être aimés, la femme qui a besoin d'être entretenue, si on nous donne ce cadre-là, ça contribue à sa longue vie. Ah, ne va pas nous gunter, mais lui on a tellement. À mon père pour notre honneur, c'est qui est sûr, il faut te calmer. À mon retour, de parler des millions d'abord. À mon retour, on en parle. Mariage collectif. Non, c'est vrai.